Salut Cathy. Bonjour Chloé. Alors toi, tu proposes l'épilation au fil. En quoi c'est différent d'une épilation classique à la cire ou à la pince à épiler par exemple? On va vraiment avoir un tracé qui va être complètement net vu que c'est d'une précision. Donc du coup, on va vraiment retrouver un sourcil qui va être bien dessiné, retravaillé. Bon, bah, comme tu vois, je me suis laissé pousser les poils. Parfait. Donc je t'invite à venir en cabinet avec okay, moi. Ok, très bien. Alors ben, du coup, je vais te montrer ce qu'il nous faut comme matériel. Donc oui. C'est très simple. Hein. Donc bien évidemment, le fil. Le fil, hein, le fameux fil. Mm-hmm. Donc c'est du fil de couture tout simple en coton. D'accord. Ensuite, donc une paire de ciseaux pour pouvoir donc couper les petits poils disgracieux ou un peu longs. Mm-hmm. Une pince à épiner pour quand même finir les petits poils. S'il y a des... Oui. Exactement, des récalcitrants. Et une brosse qui va permettre de coiffer et de redessiner ton sourcil. Super. Très bien. Voilà. Je m'installe. Allez, je te laisse t'allonger tranquillement. Et hop, on va donc créer le petit nœud coulissant qui va venir donc permettre d'arracher le poil. D'accord. Ah ouais. Ça arrache un petit peu. Mais ça va, c'est pas douloureux. Ce qui est un peu surprenant, c'est que tu prends tous les poils d'un coup, en fait. Donc voilà, on les sent... Oui, on penserait que ça serait poil par poil. Et non, on prend petite franges par petite c'est franges ça. De poils. Mais c'est supportable, c'est pas très douloureux. Alors là, je vais avoir besoin de ton aide. Oui. Donc cette main-ci va me remonter au maximum le sourcil. Super, le comme bras ça. Bien allongé, c'est okay. Parfait. Et celle-ci qui va venir tenir la petite paupière vers le bas. Ah oui, ça fait un petit peu plus mal qu'au-dessus. Oui, le dessous est toujours un petit peu plus compliqué au niveau de la douleur. Maybe it's cheaper. Maybe the eels left dreams on my tongue. Sick little bird, I think I heard. So then a number with a pony. Méthode qui vient d'où? Alors cette méthode c'est indien. Chez eux c'est ancestral, hein, ça a toujours été leur mode d'épilation. Et ça a aussi migré dans les pays asiatiques. Ah oui? Ouais. Il y en a beaucoup qui le font. En même temps c'est... ben, ça respecte la peau, hein, pas de chaleur, pas d'arrachage intense. Et c'est quoi l'avantage justement d'arracher tous ces poils au fil? Est-ce que... Donc vraiment l'avantage, ça va être de... Ouais, super. Ça va être en fait la repousse qui est beaucoup, beaucoup plus douce et beaucoup plus lente que la cire. Ah, très bien. Donc ça, c'est vraiment un avantage hein, pour nous les femmes, si on peut éviter ouais. Tous les 15 jours chez l'esthéticienne. Je sens que j'ai la... Oui, le sourcil enflé. En feu. Là, je t'applique ouais. Une je sens que j'ai la paupière. D'amande douce pour apaiser justement. Et voilà. Waouh, c'est net. Oh, mais dis donc, c'est super beau. Je suis vraiment très satisfaite du résultat très net rendu possible par cette technique d'épilation au fil. Si vous aussi ça vous tente, n'hésitez pas, il faut compter 2000 francs pour la prestation qui dure environ un quart d'heure. Et puis bien sûr, vous retrouverez toutes les informations sur la page Facebook de l'Atelier du Bien-être. Talle toule!